là-dessus. Sur les élections européennes, alors c'est l'Europe, mais sur un autre angle. Là, on se rend compte qu'on a des émissions sur l'Europe, mais elles sont parfois un peu trop l'Europe sous le regard des institutions. Alors c'est important, mais ça peut sembler parfois un peu obscur, et c'est ce que disent d'ailleurs beaucoup de nos téléspectateurs. Donc on essaie de prendre aussi, alors pas à la place, hein, mais aussi l'angle de la vie quotidienne et de qu'est-ce qui unit les peuples finalement. Donc c'est tout l'objet de cette nouvelle émission qu'on a lancée le samedi sur quelles sont les pratiques culturelles, qu'est-ce qu'on mange, comment on vit ailleurs en Europe, ce qui permet de créer du lien en fait, hein, et créer voilà, un sentiment d'appartenance à une co communauté, même si, puisqu'il y a un événement politique très fort, on va évidemment se mobiliser pour rendre compte des débats en Europe. On a déjà, hein, une façon de fonctionner entre nous, entre pays, entre services public européen sur l'information qui est assez proche. Donc évidemment, on s'échange des sujets, on s'échange ces problématiques-là sur l'Europe.